Plus vous allez dire vous n'êtes pas bien, plus moins vous serez bien. Donc maintenant on arrête de dire ça parce qu'on va passer son stress aux autres. On respire. Le meilleur des médicaments maintenant, c'est la respiration. Allez, on va prendre une grande inspiration par le nez. On bloque. Soufflez profondément. On y est. Vous avez travaillé comme des fous pendant 6 mois. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Je vous redis encore une fois, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas souvent. Vous êtes arrivé en 6 mois à avoir un esprit de troupe de théâtre. Le stress, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du job de l'acteur. Vous êtes magnifique. Vous pouvez être fier de vous. C'est une équipe, c'est une famille qu'on a aujourd'hui. Là, mon petit Arthur. C'est ma tante. Je vous aime et surtout, amusez-vous. Alors, en comédia, ce que je vous avais expliqué, comme les personnages sont masqués, ils ont des masques très forts. Lisette, c'est la meuf, quoi, Lisette. Hein, je veux dire, elle est hop, comme ça, bien droite, et je me tiens comme ça, et mon franc-parler. Alors que Sylvia, c'est l'amoureuse de comédien. Elle est légère, fine, subtile. Étonnant. Oui, bien ça, la Gilles. Ok, super. Très bien ça, les garçons. Relâchez, et les filles aussi. Respiration. Je vais voir dans vos yeux. Oui, bien ça. C'est très bien ça. Oui. Oui. Tristesse. Tristesse. Le regard. Regarde. Le regard, c'est surtout ça qui est important. Chacun votre tour, vous allez dire l'émotion que vous ressentez. Je fais ce que je veux, vas-y. D'accord. Et puisque c'est comme ça, je commencerai par toi. T'as très bien fait de me le dire. Allez, on se retourne, on refait la colère. Hop. Ayoub, t'es prêt? Non. Je vais si t'es prêt. Allez, concentrez-vous, respirez un bon coup de top. Je suis en colère. C'est bon? J'ai peur. Ok, pas mal. Je suis en colère. Je suis en colère. Super. Ok. Ils sont où vos barres? Stop, arrête de faire ce genre de choses. C'est coupé. Allez, on enlève. On garde le gabarit. Le gabarit, c'est celui du dessus. Hein? On commence par les wah. On attire l'attention déjà en ces débuts. Hein. Guitare. Hey, on attire l'attention. Wah. Hey. Mesdames et messieurs, avant de commencer, ceci n'est pas une tragédie, mais une comédie. Et au théâtre, comme dans la vie, il y a des personnages et je vais vous les présenter. Mesdames et messieurs, avant de commencer, ceci n'est pas une tragédie mais une comédie. Et au théâtre,
Comme dans la vie, il y a des personnages, je vais vous les présenter. Il faudra même que tu me prennes la main ou... Ouais, il va falloir se rapprocher un peu les enfants. Elle n'a rien d'une soubrette. Ouais, c'est ça. Je trouve ta maîtresse bien courageuse d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Quel homme pour un valet. Ça vous va, quel homme pour un valet. Admiration. Quel homme pour un valet. Yes. Je vais te muter la guitare, 2 secondes. Donc, 1 minute pour ça, on est d'accord. Ensuite... J'ai mis 10 ans pour l'apprendre. Voilà, moi si tu te calmes sur les enregistrements que tu m'as filés. Tempo, laine, dans laine, dans le pas pour... Mais non, mais là, t'es pas sur la basse. C'est à moi, tu la baisses là. La basse. Vous l'avez dit vous-même. Déplacement, les filles. On inverse. Et là, plutôt ça. Lisette, hop, Lisette a de l'esprit. Elle pourrait prendre ma place et je prendrais la sienne. Cette fille m'étonne. Elle n'a rien d'une soubrette. Cette fille m'étonne. Ah oui. Cette fille m'étonne. Elle n'a rien d'une soubrette. T'as pas l'air étonnée au niveau des yeux. Refais. Cette fille m'étonne. Ouais. Elle n'a rien d'une soubrette. On m'a prédit que je n'épouserais jamais qu'un homme riche. Respire. Et éduqué. Respire. J'ai juré de ne pas en écouter d'autres. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi seulement votre belle main blanche à embrasser. Ah non, j'en ai des cires. Ah bah t'es obligée. Ah non, mais non, tu sais pas. Ah c'est obligé. Oh là là. C'est pas vous, c'est le rôle. Ouais, mais c'est quand même notre. Mais c'est quand même la honte. Chut, t'as envie d'embrasser. S'il vous plaît, donnez-moi seulement votre belle main blanche à embrasser. Tenez donc, petit important. Juste que je n'aurai la paix qu'à ce prix. Je vous aime comme un fou, d'être ma coumémé aussi. Voilà, alors tu peux enlever ta main du tout. Vas-y, eh bien monsieur, je vous aime aussi. Non, non, c'est ça. Parce que si tu veux, il explique juste que toi et Nargis vous êtes expliqués. Ah, moi le valet. Il est où, moi le valet? Monsieur Orgon, qui dit alors... Le père de Sylvia souhaite que sa fille épouse le fils d'un de ses vieux amis. Alors, tu vois, t'as repris le fils d'un de ses vieux amis. Sur Sylvia ne veut pas vraiment se marier, là, on a une intention. Mais Sylvia, elle veut pas vraiment se marier. Je suis très chiant, mais en fait, au théâtre, c'est pas grave si toi, ça ne te paraît pas naturel. Au théâtre, souvent, les gens, ils surarticulent, personne s'en rend compte. Dans le public, parce que du coup, les gens comprennent tout ce qui se passe. Ils sont captivés par ce qui se passe. Le quotidien, c'est que le père de Sylvia, elle souhaite que sa fille se marie avec machin chose, mais bon, elle a pas très envie. Si t'es au cinéma, ça, tu le fais comme ça, c'est super. Au théâtre, on peut pas le faire comme ça. N'aie pas peur que ça ne te paraisse pas naturel, prends tes pauses. T'as une main qui t'emmerde, là. Hein? Donc si elle t'emmerde, de deux choses l'une. Soit on te trouve un accessoire. Ça peut être un gant, ça peut être un mouchoir, ça peut être je ne sais quoi. Soit tu prends ton texte à deux mains. Mais Sylvia ne veut pas vraiment se marier. Elle obtient de son père l'autorisation d'observer sur le déguisement de sa servante Lisette. Moi, on m'a dit de vous marier avec un mec super riche. Mais vraiment, super, super. Mais comme ça, il pourra m'entretenir. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de bosser. Et comme ça, je n'aurai pas besoin de bosser. Et je pourrais faire du shopping. Et je pourrais faire du shopping. Et aller en voyage. Et aller en voyage. Et au concert. Et au concert. Et je t'emmerde. Et je t'emmerde. Ah. Ouais, non mais voilà, tu peux faire un truc comme ça. Hé, hey, quel homme pour un baleine. Ouais. Quel homme pour un valet. Voilà, c'est chouette ça. Je garderai le secret. Nous verrons bien si leurs cœurs se reconnaîtront. Tu vas t'asseoir sur une chaise, tranquille. Les pieds sur la table. Hop. Ok papa. Ok papa, je dirai rien. On verra si ça marche. Ok, mais plus fort. Hein. Je t'ai pas très bien entendu là. Tu as des bonnes relations avec ton père, vous êtes riche, tout va bien, c'est la cool, c'est nos stress. Hein. Tu es beau, tu es riche, tu as du succès, toi, c'est bon. Hein. La vie est belle, hein. Pas emmerdé. D'accord, papa. On verra si ça le fait. Non, t'as monté sur Vera. Okay. Nous verrons bien si leurs cœurs se reconnaîtront. Ça chante trop. Nous verrons bien. Ta-da-ta, ta-da-ta, ta-da-ta. Il faut pas chanter. Hein. Mon très cher ami, blablabla, mon fils m'a demandé d'arriver chez vous sous la parole de son valet Harlequin. Marie-Marie, Marie-Marie, Marie-Marie,
Louis, c'est beau défi, maintenant fais ça. Quatre, 12, 27. Bon week-end à tous. Louis. Cette fille m'étonne, elle n'a rien d'une soubrette. Cette fille m'étonne, elle n'a rien de faux bête. Je trouve ta maîtresse. Bien courageuse. D'avoir une femme de chambre comme toi. Comme moi. Ok, on se fait un petit rappel. Machine à fumer, je vais essayer de pas trop vous en remettre. On essaye de pas s'arrêter. Attention, j'ouvre donc. J'ai envie que ça soit déjà la fin. Mais moi, au contraire, j'ai envie que ça commence. Parce qu'au début, on va avoir le strike, le crack. Ce bruit. Au début, on va avoir trop peur. Mais après, on va se détendre, on va se lâcher. Tranquille.